13 et du 15, il te faut. 13 et 15. Ouais. Tu vois, le 15, tu retiens ton boulon. Et avec le 13, tu dévisses le boulon de l'autre côté, là, pour étrier. D'accord. Pareil en bas, il y en a deux. Pour sortir les trois, ouais, pour sortir tous les triers en fait. Okay. Et après le plus simple, c'est de le repousser. Parce que là après il commence déjà à bouger, il peut sortir. Là il sort, ouais. Normalement il sort. Voilà. La plaquette de frein tu l'enlèves, tout simple. Tu remets d'abord la partie du bas, tu la glisses là, et clac, tu la fous. C'est une espèce de petit ressort en fait, c'est quoi? Ouais, c'est pour retenir les plaquettes. Ok. Pour pas que ça bouge, pour pas que ça fasse des clac-clac dans les trous et tout ça. D'accord. Et ça, c'est quoi ce truc là? Ça, c'est des morceaux de plaquettes qui partent en lambeaux. Okay. Pareil de ce côté. Ah, c'est cool ça, j'ai eu du bol d'être tombé sur un connaisseur d'A5. C'est génial. Ouais, je connais un peu les Audi, j'ai eu que de ça presque. Ma famille c'est pareil, on est tous bien dans les Audi. Ça y est, c'est fini. Je les a convertis. Donc là, maintenant... Il avait essayé BM aussi une fois, mais il est revenu chez Audi. Ouais, il est parti chez Jeep, ça n'a rien à voir, il est parti dans le 4x4. Ah oui, d'accord. Bah, là, c'est une belle philosophie, quoi. C'est carrément une philosophie. On a remis les deux plaquettes, bien balèze. À noter le disque qui est un disque plein. Hein. Ok. Ah ouais, là-dessus, c'est direct, c'est l'étrier, maintenant, c'est fini. Ah ouais, d'accord. Change tout. Radical. Il a du mal à revenir. Lâche moi ici. Ah, il manque pas grand chose. Il manque les cibles. Allez. Je suis en train de faire une vidéo parce que si je peux le changer moi-même par la suite, ça serait cool quoi. Ça va ? Ok. Et relève un peu. Parce que les plaquettes elles sont plus grosses. Ouais, c'est ça. Il y a plus de garniture donc du coup il faut le rentrer. Ah, non.